l'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est l'alpha, le commencement. Il est l'alpha, le principe de la création. Il est l'alpha, celui par qui toute chose existe. Il est l'alpha. Tout ce qui commence sans lui est voué à l'échec. Il est l'alpha, celui par qui tout s'éveille à la vie. Il est l'alpha, la fondation de tout l'édifice de la création. Il est l'alpha. Sans lui, tu n'es rien. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Entends sa voix avant de commencer toute chose. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom cette fois avec moi? Jésus. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour ceux qui peuvent, dans la présence de notre Seigneur? Père, nous voulons que tu fasses ton entrée en ce lieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, roi de gloire, fais ton entrée en ce lieu. Viens siéger dans notre louange ce matin. Nous nous attendons à toi. Alléluia. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Nous le disons encore une fois. Que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, nous le disons encore une fois. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. C'est une prière qui monte vers toi, tu vas le dire. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, c'est très simple. Nous le disons ensemble. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, que les
alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, Jésus. Alléluia, est-ce que nous pouvons faire monter un soupir, une prière, et tu vas parler à ton Père, lui dire que Saint-Esprit, je m'attends à toi. C'est un jour que l'Éternel a fait, et encore une fois, il y a des bontés, il y a des grâces, il y a quelque chose que nous devons saisir. Alors tu vas faire monter ta prière en ce matin. Oui, nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Alors viens siéger au milieu de nous. Viens siéger dans nos louanges. Viens siéger dans ma louange. 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 Je m'attends à toi. Viens siéger dans ma louange. Viens siéger dans ma louange. Nous désirons te voir, Seigneur, nous soupirons après toi. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous invoquons ton nom. Nous te laissons toute la place. Nous voulons te voir en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous invoquons ton nom. Oui, nous désirons te voir. Nous soupirons après toi. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répands sur nous ton esprit, ta puissance, Jésus. Que les murs tremblent, alors que nos voix. Répands sur nous, Jésus. Est-ce que le peuple peut le dire? Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, Jésus. Est-ce que nous pouvons le dire encore? Que les murs tremblent. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Jésus, nous le disons ensemble. Que les murs tremblent. Ah. Alors que nos voix. Répands sur nous, Jésus, que les murs tremblent en ce lieu, alors que nos voix répands sur nous ton esprit, oh Jésus. Alléluia, est-ce que nous pouvons élever la voix et soupirer? Ne te lasse pas, vraiment sens-toi libre de soupirer après ton Dieu. Sens-toi libre de parler au Saint-Esprit. Mais nous chérissons ta présence en ce lieu.
Saint-Esprit, nous savons que tu es celui qui honore les rendez-vous. Celui-là qui assis sur le trône de gloire, celui-là qui a le pouvoir au-dessus de tout nom. Élevons nos voix et vraiment, répétons les paroles de ce chant. Nous voulons voir le nom du Seigneur résonner dans ce lieu. Nous voulons que les murailles tombent. La parole dit dans la parole, on dit que les murailles de Jéricho sont tombées. Après avoir fait le tour cette fois, dans louange et en adoration, les murailles de Jéricho sont tombées. Alors que toi tu es en train de louer ce matin, dans ta tête, pense aux murs que tu as, pense au domaine de ta vie où il y a des murs, et déclare que à cause du nom de Jésus qui résonne, ces murs-là vont tomber. Alors tu vas élever ta voix et tu vas le dire ce matin. Papa, parce que tu as plein de pouvoir dans ma vie, parce que tous les domaines de ma vie te sont soumis, je sais que les murs vont tomber. Nous avons été amplement saignés cette semaine. Alors tu ne vas pas te taire et tu vas élever ta voix. Tu vas élever le nom de Jésus ce matin. Papa, ce soir, ce matin, nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la place et nous voulons t'élever. Nous voulons élever ton nom au-dessus de tout nom. Nous voulons élever ton nom et te dire que tu es notre Père, tu es notre Seigneur. Tu es celui-là qui règne dans ce lieu, celui-là qui a le pouvoir sur la terre. Dans les cieux, celui-là qui a le pouvoir sous la terre, celui-là dont le nom est au-dessus de tout nom. Alors ce matin, lorsque nous sommes dans ta présence, c'est le cœur de tes fils rachetés, c'est le cœur de tes enfants qui crient à toi. Reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois tout ce qui sort de notre cœur. Et ce matin, viens nous gratifier de ta présence. Viens dans ce lieu, viens prendre toute la place qui t'est due. Nous savons que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons pas nous tenir ici si toi tu n'es pas là. Alors nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Viens prendre ta place dans ce lieu. Viens prendre la place dans ce lieu. Viens prendre ta place dans ce lieu. Viens prendre ta place dans ce lieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Et lui dit que c'est lui que nous voulons élever. À lui appartient le pouvoir. À lui appartient le pouvoir sur la terre et dans les cieux. Alors ce soir, ce matin, Papa, nous élevons. Nous élevons pas nos voix, nous élevons pas nos louanges, nous élevons dans nos pensées. Oui, nous acclamons ce Dieu, nous acclamons ce Dieu. Oh, fais ton nom verser. Oh, nous élevons, nous élevons, nous élevons. Alors faisons monter notre louange, faisons monter notre prière. Radamane siame, ramama katerebe shakayama, fais ton entrée en ce lieu. Ramama shakayama, pendant que nous sommes en train de t'acclamer, viens siéger au milieu de nous, Saint-Esprit, ramama kerebebo. Quelqu'un va soupirer et dire, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je m'attends à toi.
va dire ces paroles avec moi. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Les débos, les mamas, chita la mama, les mamas, chata ya déjà. Attendons à toi. Je viens dans ta présence. Parler à son père, tu es la priorité, tu es
est ce à quoi j'aspire. Oh, mes yeux sont fixés sur toi. Oui, tu es la priorité. Tu es la priorité. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Est-ce que le peuple peut le chanter? Au centre de toutes choses. Réalise vraiment ces paroles et dis au centre de toutes choses. Et là, qu'aucun aspect de ma vie ne soit épargné. Qu'aucun aspect de ma vie ne soit écarté, mais au centre de ma vie, c'est toi que je vois. Oh, oh, oh. Nous le disons ensemble, au centre de toutes choses, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, au centre de ma vie. Au centre de ma vie, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Il y a une puissance, il y a une puissance dans ton nom. Les miracles se font entendre. Quand je lève ma voix en louange, quand je lève ma voix. C'est toi que je vois. Il y a une puissance dans ton nom. Il y a une puissance dans ton nom. Les miracles, les miracles, les miracles se font ton nom. Quand j'élève ma voix en louange, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Je vois, c'est toi.
toi que je vois. Reba Shataya de Reba Sapa. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Reba Kaya de Shataya Ma. Et Rada Baba Chikaya de. Faisons monter notre louange. Et la Mama Shataya de. Que je vois, c'est toi 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 que je vois. C'est toi que je vois, c'est toi que je vois, pour ma famille, c'est toi que je vois, pour ma vie, c'est toi que je vois, mon ministère, c'est toi que je vois, ma destinée, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois, 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 c'est toi que je vois. C'est toi que je vois, 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 c'est toi que je vois. C'est toi que je vois, 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 et c'est toi que je vois, 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 et par les kayaka la massacre. Et la mama chikayade, c'est toi que je vois, c'est toi que je vois. Alors faisons monter, faisons monter, faisons monter notre prière. C'est toi que je vois. Et radar, et radar, et radar, chadaré. Tout est magnifique en toi, Seigneur. Oui, je te vois pour ma famille. Je te vois pour ma destinée. Je te vois pour ma famille. Je te vois pour ma vie. Je te vois pour ma réussite. Je te vois pour ma transformation. Je te vois pour ma délivrance. C'est une prière qui monte vers toi. C'est toi que nous voyons, Redara Baba, et Radere Sukayades, Rebarade Shakayada, pour la guérison des captives. C'est toi que nous voyons, pour la guérison des nations. C'est toi que nous voyons, Redare Shakayade Rados. Ah, parle à ton Dieu, soupire. Oui, Seigneur, c'est toi que nous voyons. C'est toi qui es la priorité.
Par l'éclat de ta grâce, émerveillé par l'éclat de cette faveur imméritée, émerveillé par l'éclat de ton amour en notre faveur, émerveillé par l'éclat de ta présence,
émerveillé par le fait que nous qui ne méritons rien, nous pouvons rentrer dans ta présence. Je suis émerveillé par ta grâce, parce que je ne méritais rien, et je ne mérite toujours rien d'ailleurs. Mais ta grâce est venue, ta grâce m'a choisi, ta grâce m'a sélectionné. Je suis émerveillé par l'éclat. Oh, Marakotiri Bosh, Ababa Ose. Est-ce que quelqu'un qui est émerveillé par la grâce de Dieu peut élever la voix et commencer à bénir le Seigneur? C'est la grâce de Dieu qui a emmené Jésus. C'est la grâce de Dieu qui a fait que tu l'as accepté, tu l'as reçu. C'est la grâce de Dieu qui permet que tu sois ici ce matin. Et quand je regarde combien de fois il m'a fait grâce, malgré les moments difficiles, oh, Makerebos, Yedebarakamdabashekemaroso, je ne peux que l'adorer, je ne veux qu'être dans sa présence. Son amour pour nous est tellement grand, est tellement fort, est tellement extraordinaire. Et dans cette semaine de conférence, dont le thème est comblé de grâce. Et Seigneur, mon action de grâce que je veux t'apporter ce matin, c'est t'adorer. C'est t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut commencer à ouvrir la bouche et faire monter des actions de grâce vers le Seigneur? Une action de remerciement, une action d'adoration, une action de célébration. Élève la voix où tu te trouves. Et si tu as goûté à sa grâce, et si tu as goûté à sa vie, et si tu l'as expérimenté, commence à élever la voix. Dans toute cette semaine, j'ai vu ta grâce. J'ai réalisé combien de fois tu m'aimes. J'ai réalisé combien de fois je suis précieux à tes yeux. J'ai réalisé combien de fois tes enfants que nous sommes, lorsque nous sommes challengés, tu es là comme un bon père. J'ai réalisé ton amour, j'ai réalisé ta faveur. J'ai réalisé combien de fois, à plusieurs d'entre nous ici, on nous avait donné des paroles de condamnation, mais tu es arrivé et tu as dit non, ma grâce lui suffit, ma grâce lui suffit, ma grâce lui suffit. Je lui donne grâce pour grâce. Je lui donne grâce pour grâce. Oh Dieu, Dieu de grâce. Certains dieux sont présentés comme des dieux rigides. Ils sont présentés comme des dieux de la loi. Ils sont présentés comme des dieux qui sont vraiment durs, méchants. Mais toi, tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu bon. Et ce matin, vraiment, mon action de grâce, c'est de t'adorer, c'est de te célébrer, c'est de te glorifier. Mon frère, ma soeur, tu sais, il faut que tu réalises que tes grâces dans ta vie. Il faut que tu réalises que Dieu n'était pas obligé. Il faut que tu réalises que si on devait parler de l'histoire de ta vie, on t'aurait condamné depuis longtemps. Il faut que tu réalises que si tu devais aller devant le trône du mérite et qu'on devait montrer la vie de tes parents, tes arrière-grands-parents, des adorations, de toutes ces choses, tu étais condamné depuis longtemps. Mais il a décidé qu'il n'en serait pas ainsi. Bien, voilà pourquoi, vous savez, dans certains pays, il y a quelque chose qu'on appelle en début d'année la grâce présidentielle. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont des prisonniers, des gens qui doivent être condamnés. Et puis le président décide en début d'année, oui, la justice a dit que ça devait se passer comme ça, mais moi, avec mon autorité, je signe un décret et ces personnes-là peuvent sortir. Bien-aimé, je veux te dire, ceux qui sont graciés, la joie qu'ils manifestent, ce n'est pas comme ta joie à toi. Parce que quand je te regarde, on dirait que tu ne réalises pas que tu as bénéficié du décret de la grâce. Tu ne réalises pas que toi aussi, on t'avait accusé. Ton dossier est long comme ça. Tu ne pouvais même pas aller au tribunal parce qu'on allait te mélanger là-bas. Mais il a dit non, j'irai à la croix. Je verserai mon sang. J'effacerai son péché et je lui ferai grâce. Je lui ferai grâce. Je lui ferai grâce. Je lui ferai grâce. Tu vois, tu dois commencer à sourire comme quelqu'un de gracieux. Les prisonniers qui sortent là, il y a une image comme ça là. Ils ont la joie. Parce qu'ils savent d'où ils viennent.
Ils savent qu'ils n'ont rien mérité. Mais la grâce leur suffit. Alors je veux te dire, même quand tu viens dans la maison de celui qui t'a gracié, oh, tu vois, je vais te dire des choses ce matin. Tu vois, d'abord il t'a gracié. Quand il t'a gracié là, si même on t'avait simplement emmené dans la maison des esclaves, si on t'avait emmené dans la maison des serviteurs, si on t'avait emmené au niveau des travailleurs qui ont un petit salaire, tu allais déjà dire merci parce que tu venais de la prison. Entre être en prison et puis être dans une petite maison dans la cour, être dans une maison de domestique, être dans une maison de travailleurs, tu allais déjà dire merci. Mais il ne s'est pas arrêté là. Quand il a fini de te gracier, il a dit bon, je le gracie, je la gracie, mais au lieu qu'elle passe par tout cela, j'en fais mon fils, j'en fais ma fille, qui sera avec moi dans le nom de Jésus. Eh mon ami, ah, la grâce dont tu as bénéficié, c'est une grâce qui te prend en bas et qui te met en haut. Et les gens te regardent et puis on dit, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle fait ici? Ils veulent dire, c'est pas la prostituée. Mais Jésus a dit que la prostituée, là, on va parler d'elle. Ils veulent dire, c'est pas le voleur. Mais Jésus a dit, le voleur, là, il sera aussi avec lui dans le ciel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire sur toi. Mais dis non, c'est le gracié. C'est la graciée. Le Seigneur m'a gracié. Mon frère, ma soeur, dans cette semaine, ah, tu es comblé de grâce. Tu es comblé de faveur. Tu es comblé. Tu vas être étonné. Oh! Il faut juste recevoir, il faut juste saisir. Tu vois, non, comblé de grâce là. La grâce va te saisir de tous côtés. Hein? Dis à ton voisin, dis voisin à gauche. Non, dis à ton voisin, dis voisin à gauche. Voisin à droite, voisin devant, voisin derrière, voisin en haut, voisin en bas. La grâce. La grâce d'Alouf. Mareko Soko Rabache Kebe. Ah, la grâce. La grâce vient faire ce que tu n'étais pas capable de faire. La grâce vient faire ce que tu n'étais pas capable de faire. Tu sais, tu avais des limites quelque part. La grâce vient te prendre et puis t'emmener à un autre niveau. Ton corps, tes pensées, ta façon d'être te limitaient. La grâce dit non, moi je te fais passer à un autre niveau. Tes études te limitaient par rapport à une promotion. La grâce vient dire non, moi je vais te prendre et je vais te donner la promotion. Je ne sais pas quelle était la limite, mais je te dis que la grâce de Dieu qui a été libérée pour toi, te fait passer tes limites. Elle te fait... Ah! La grâce de Dieu, on ne l'explique pas. C'est la grâce de Dieu qui fait que la stérile enceinte, enfante sept fois. Celle qui a été déclarée stérile, elle enfante sept fois. Où on disait où étaient ses enfants, on se moquait d'elle. Quand on vient le lendemain, il y a sept enfants qui sont là. Parce que la grâce l'a fait enfanter sept fois. C'est la grâce de Dieu qui prend celle qui ne se mariait pas. Quand on se moquait au village, et puis il la met, il la fait. Il lui donne un mari de qualité. Et puis elle marche maintenant au quartier. Elle dit c'est la grâce. Ah. C'est la grâce qui prend des familles qu'on a déclarées pauvres. Et on vous a maudit, on a dit vous serez pauvres de génération en génération. Vous serez esclaves des esclaves. Mais ça c'était la malédiction. Mais la grâce vient. Et puis elle dit, moi, je les enrichis. Moi, à partir de lui là, j'écris une lignée de personnes. On va regarder et puis on va dire, voilà, voilà, voilà. Ceux-là, ça fait partie des riches de ce pays. C'est la grâce de Dieu qui fait ça. Si vous avez écouté les enseignements, quand on vous parle de Boaz, d'Elimelech, de Ruth, vous comprenez que il y a des gens qui n'étaient pas prévus. Dans le film là, ils n'étaient pas dedans. Mais la grâce fait à un moment donné, il apparaît. Et puis quand on cite la lignée de Jésus, la généalogie, son nom arrive. Je suis venu te dire ce soir, on ne t'avait pas compté. Ce matin, on ne t'avait pas compté. On ne t'avait pas prévu. Il n'y avait pas de place pour toi. Quand tu es arrivé là, on a dit qu'il n'y a pas de place pour toi. Mais la grâce vient dire, moi je l'ai prévu, moi je l'ai préparé, moi je fais cela. Ah, la grâce. Ah, la grâce. Tu vois, dans cette semaine-là, ta façon de prier même doit changer.
dois dire, Seigneur, fais-moi une grâce. Il y a des limites que tu as là. Il faut arrêter de trop parler, chasser les démons, chasser les sorciers. Laisse-les. Il faut les laisser un peu. Hein? Ils n'ont qu'à respirer. C'est leur temps de grâce aussi. Ils n'ont qu'à respirer de l'autre côté. Toi, tu dois juste dire, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Et tu vas voir ce qui va se passer. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la grâce est sur toi? La puissance est sur toi. Le feu est sur toi. Alléluia. On va s'asseoir dans cette atmosphère. Alléluia. Merci. On peut acclamer le Seigneur pour le groupe musical que le Seigneur a utilisé vraiment pour manifester sa puissance. Et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Voilà, on est toujours dans la mouvance de notre conférence SPAC. Et la profondeur des enseignements, c'est extraordinaire. Hein, depuis le papa Karambiri qui a posé des bases, pasteur Marcelo, pasteur Yvan, pasteur Grégory Toussaint et notre père spirituel, pasteur Mohamed, ils nous ont parlé de la grâce, ils nous ont édifiés, ils nous ont fait comprendre des choses, tu vois. Et bien aimé, je veux que tu reçoives ces messages-là comme un fils les reçoit. Je veux que tu les reçoives comme quelqu'un qui a besoin de boire. Tu sais, il y a une sagesse que tu obtiens quand tu écoutes quelque chose comme un fils. Quand tu te dis, joue les experts assis, qui doivent venir évaluer si le projet est bon, si le message est bon là, tu ne reçois pas la chose de la même manière. Tu comprends? Alors aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, on va regarder un message qui parle de la grâce. Et c'est un message avec beaucoup d'onction. Donc je veux dire au voisin, pardon, on n'est pas, c'est pas un cinéma. Voilà, faut pas t'asseoir et puis tu es assis, tu regardes les trucs, tu vois, non? On est dans la présence de Dieu. Non, il y a une très forte présence ce matin, ok? Donc pendant que l'homme de Dieu prêche, je dis, si tu sens de t'élever, de dire amen, tu es libre de le faire. Parce qu'il y a des paroles, en fait, il y a des petits amen là, tu ne reçois pas la parole. Amen, il y a des, je catalambano, c'est-à-dire je prends la parole, elle est pour moi, je la fais asseoir dans mon cœur et puis elle doit donner du fruit. Mais quand tu réécoutes les paroles comme si tu es au cinéma, pour savoir aujourd'hui, ah, est-ce qu'ils ont fait un bon spectacle, mon ami, tu vas partir comme tu es rentré, ce ne sera pas ton cas, tu vois. Mais si ton cœur est disposé, comme un fils, écoute son père. Tu sais que quand tu écoutes comme un fils, il y a des trucs que tu reçois, c'est différent, hein? Non, c'est différent. C'est différent. Si vous regardez Salomon, quand il parle dans le livre des Proverbes, il dit, j'étais un fils pour mon père. Proverbe 4. Si vous lisez tout le livre de Salomon, en tout cas dans tous les premiers chapitres, il parle à ses fils. Or, Salomon, c'est le livre de la... les Proverbes, c'est le livre de la sagesse. Ça veut dire que si tu écoutes certaines choses dans une dimension de fils, il y a une sagesse que tu reçois. Mais si tu es assis en expert... Ça fait 20 ans que tu es dans le métier, tu es converti, tu es né chrétien, tu es de famille chrétienne, tu es tout. Souvent là, ceux qui sont des familles chrétiennes, faites attention. Parce que vous êtes trop habitué à la chose. Voilà. Et je suis né. Parce que les gens, ils sont, non, mes parents étaient chrétiens, je suis né chrétien, mes parents sont dans le ministère et tout. Donc, ils prennent ça pour du connu. Il y a des choses que tu ne reçois pas. Or, le nouveau frère qui vient d'arriver, la nouvelle soeur qui vient d'arriver, elle sait d'où elle vient. Elle sait comment sa vie a été. Donc, la façon dont elle reçoit là. Ça, après, ça crée des jalousies dans l'église. On ne comprend pas. Non, la soeur, elle est venue. Ça fait 2 mois, elle est déjà mariée. Moi, ça fait. Mon frère, la soeur, elle a reçu la parole. Que ce soit notre partage. Alors, ce matin, Seigneur, je prie pour la parole que nous allons écouter. Nous allons écouter un message du pasteur Marcelo. Et comme je te dis, vraiment, saisis la parole. Dis à ton voisin, saisis la parole. Voilà, même s'il est là pour la première fois, il faut dire, ça ne dérange pas si tu dis un amen fort. Voilà, ça ne dérange pas si tu te lèves, ton voisin ne peut pas se fâcher. Ok? Voilà, est-ce que là, comme on est prêt? La grâce de l'amour pour la parole de Dieu abonde dans l'orateur du jour. Fidèlement attaché à elle et conformément à ce qui est écrit, il annonce la bonne nouvelle de Christ, la sanctification, son cheval de bataille, et c'est sans compromis qu'il se laisse être un instrument entre les mains du Seigneur pour édifier et bâtir son peuple. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom,
ils imposeront les mains malades. Comblé dans sa vie familiale et ministérielle, il est un modèle de droiture et d'intégrité dans sa génération. Cette grâce lui donne des interventions qui ne laissent pas indifférent, percutantes. Elles produisent un changement. L'apôtre Marcelo Tounassi, de l'église La Compassion. Alléluia. Spac, c'est pour nous. Vaste d'honneur, c'est pour nous. Amen. Amen. J'accepte d'être pour vous. Amen. Merci, maman Liliane. Merci au pasteur Mohamed, toute l'équipe qui nous a reçus. C'était wow. Amen. Amen. Hier, nous avons vécu une pluie de guérison. Amen. Amen. Nous allons chanter ce cantique qui me bénit ces derniers temps. Vous savez, à chaque période de la vie, il y a un cantique. Et ces derniers temps, c'est vraiment la fidélité de Dieu qui m'impressionne. Amen. Je crois que nous aurons la dédicace des livres aujourd'hui. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas mes livres, procurez-vous mes livres. J'ai amené beaucoup de livres, il ne faut pas que je rentre avec. Amen. Amen. Ces livres-là sont pour vous. Amen. Amen. Fidélité Car tu es Dieu,
Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Comparable à toi au ciel, sur la terre et sous la terre. Tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, et devant ton nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus, le plus beau nom, Jésus, le nom le plus puissant, Jésus, le nom le plus glorieux, Jésus, le seul nom qui sauve, Jésus, le seul nom qui guérit, Jésus, le seul nom qui délivre, Jésus, le seul nom qui vous a été donné pour être sauvé. Jésus, le nom du Fils de Dieu, merci pour ta présence, merci pour ce Pâques, merci pour vase d'honneur, merci pour tout ce que tu as fait. Père, bénis-nous encore, parle-nous, accorde-moi ton onction, la direction de ton esprit, ton cœur, et dispose les cœurs pour entendre et recevoir ta parole. Au nom de Jésus, amen. Clap your hands for Jesus. Prenez place, s'il vous plaît. Je me suis rendu compte que depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, je n'ai pas eu le temps de vous féliciter pour avoir gagné la CAN. Félicitations. Vous savez, les gens, vraiment, ils m'ont dérangé. J'étais en jeûne et prière et on m'envoyait des photos. Moi, j'étais le capitaine de l'équipe de la RDC, Pasteur Mohamed, le capitaine. Mais j'ai dit, mais ces gens, s'ils me distraient dans la prière et les jeûnes. Ah non, votre CAN m'a créé des problèmes au Congo. Et les gens étaient fâchés contre moi parce que je jeûnais et je ne m'occupais pas du football. Et quand on a perdu, ils ont dit que c'est ma faute. Comme si moi, je suis coach des léopards, quoi. Mais sinon, félicitations. Amen. Merci, Coral, que Dieu bénisse. On peut m'ajouter un peu de volume, comme j'ai trop prêché. Le thème de mon enseignement, de ma prédication, 45 minutes, c'est suffisant d'ailleurs. La grâce détruit les œuvres du diable. Dis à ton voisin de gauche, la grâce détruit les œuvres du diable. Ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Alléluia. Jean 1, verset 1 à 17, toujours au l'honneur. Tu connais au l'honneur? Ok. Jean 1, 1 à 17. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était vie. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue,
à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, 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 pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Jésus-Christ est la parole faite chair. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est la grâce faite chair. Jésus est la parole faite chair, mais Jésus est la grâce faite chair. En lui habitait la grâce et la vérité. Et par lui, nous recevons grâce sur grâce. Jésus, c'était la grâce qui marchait. La grâce qui parlait, la grâce qui touchait, la grâce qui guérissait, la grâce qui détruisait les œuvres du diable. Mes frères et sœurs, pour ceux qui ne savent pas, Moïse n'a jamais chassé un démon. Élisée n'a jamais chassé un démon. Élie n'a jamais chassé un démon. Tous les grands prophètes de la Bible n'ont pas chassé les démons. Ils étaient impuissants face aux démons. Le grand Moïse n'a pas chassé un seul démon. Le grand Élie qui a fait descendre le feu sur la terre n'a pas chassé un démon. Élisée non plus. Élie non plus. Un a essayé. Mais la Bible nous dit qu'il calmait les démons, il ne les chassait pas. David. David calmait les démons. Lorsque nous lisons 1 Samuel 16, verset 14, la Bible dit, « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. » Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé, pas guéri, soulagé pendant un temps. Alléluia. Pour ceux qui ont besoin de plus de preuves, verset 23. Et lorsque l'esprit de Dieu était sur, Saoul, c'était le mauvais esprit, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Tu peux croire qu'il partait? Non, il partait pour revenir. La preuve, 1 Samuel 18, verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul, mais il était parti au verset 23 du chapitre 16. Mais au verset 18, 10 du chapitre 18, il est encore là. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saoul qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres fois, comme les autres jours. C'est-à-dire, il fallait le soulager tout le temps. Le démon part, il revient. Le démon part, il revient. Pourquoi? Parce que David n'avait pas l'autorité sur les démons. Et Saoul avait sa lance à la main.
Saul leva sa lance, disant lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui deux fois. Il chasse le démon en Saul. Le lendemain, le démon là veut tuer David. 1 Samuel 19, versets 9 à 10. Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saoul, qui était assis dans son lit. Et ça va te permettre de comprendre pourquoi les scribes et les pharisiens ne comprenaient pas le ministère de Jésus, parce que c'était trop différent, c'était trop nouveau, trop différent. Alléluia. Voyez maintenant le choc des légalistes par rapport au ministère de Jésus-Christ qui détruit les œuvres du diable. Marc 1, verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, comme Saoul, dites comme Saoul, et qui s'écria, là on ne joue pas la harpe, alléluia, rien que la présence de Jésus, et qui s'écria, qui ont-ils entre nous et toi? Ils étaient nombreux, c'est le chef des démons qui parlait au nom des autres. Qui a-t-il entre nous et toi? Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Alléluia. Jésus le menaça. Il ne l'a pas calmé. Il ne l'a pas calmé. Il le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Il est différent de David, supérieur à David, supérieur à David, supérieur à Moïse, supérieur à Élie, supérieur à Élisée, supérieur à tous les autres prophètes. Et alléluia! Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que c'est si? Qu'est-ce que ceci? C'est le même mot qui est utilisé pour man, pour dire qu'est-ce que c'est. Lorsque Dieu agit, les hommes disent mana mana, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire c'est une dimension qui dépasse la connaissance, l'intelligence. Mana mana, qu'est-ce que c'est? Dieu fera dans ta vie des choses qui seront du mana mana, qu'est-ce que c'est? Les hommes vont se poser la question. Qu'est-ce que c'est? Ils vont entrer dans leur laboratoire pour étudier ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais ce n'est qu'une nouvelle dimension. Ce n'est qu'une nouvelle dimension. Ce n'est qu'une nouvelle dimension. Ce n'est qu'une nouvelle saison. Et ce n'est pas parce que c'est nouveau que c'est mauvais, mais c'est une bénédiction sur les avenues de Jérusalem. Mais le même qui marche sur l'eau est appelé fantôme par les disciples qui étaient habitués à le voir marcher dans les avenues. Ils étaient habitués à avoir des démons qui possèdent et qui possèdent. Et là, une parole, le démon est parti. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mon frère, la grâce fera que ta vie sera un étonnement. Et la grâce fera que ta vie sera un étonnement. Et les gens vont dire que tu as touché à la magie. Mais ce n'est pas la magie, c'est la puissance de Dieu. Parce que lorsque Jésus chassait les démons, on disait les chasse par Belzéboul. Et Jésus a dit, le diable ne chasse pas le diable, sinon son royaume ne va pas subsister. Mais les gens vont t'appeler magicien. Je suis en train de te dire, lorsque tu vas commencer à opérer dans la puissance de Dieu, les gens vont dire que c'est la magie, parce qu'ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, qu'est-ce que c'est? Donne-moi la main. Lorsque tu ne comprends pas ce que Dieu fait dans ma vie, va poser la question à Dieu. Ne réponds pas, tu ne vas pas comprendre, tu vas pécher. Va poser la question à Dieu. Ils n'ont pas posé la question à Dieu. Ils se sont répondu eux-mêmes et ils ont combattu celui qui allait délivrer leurs enfants. Mantelebro sukabashaya. Chaque fois que tu seras face à une dimension qui te dépasse, ne la condamne pas, va prier. Chaque fois que tu verras Dieu faire des choses que tu n'as jamais vues, va prier. Parce que Dieu n'est pas obligé de te consulter pour changer de dimension. Dieu n'est pas obligé de te consulter pour faire des choses nouvelles. Dieu n'est pas obligé de te consulter pour amorcer de nouvelles choses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Réponse, c'est la grâce. C'est la dispensation de la grâce. C'est la dispensation de la grâce. C'est une nouvelle dimension, supérieure à la loi, supérieure à Moïse. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle saison.
Vase d'honneur, je t'annonce une nouvelle saison. Je t'annonce une nouvelle saison. Je t'annonce une nouvelle saison. Ainsi parle le Seigneur aux serviteurs de Dieu de l'Église. Il est temps que vous puissiez opérer vous-même dans les miracles et dans les prodiges. Ce n'est pas seulement le pasteur Mohamed qui doit faire des croisades et faire marcher des paralytiques, faire voir des aveugles. Vous aussi, vous aussi, vous aussi, vous devez ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques. Vous aussi, vous aussi. Jésus a dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez des plus grandes. Les fils doivent faire les œuvres du Père et plus que cela. Qu'est-ce que c'est? Mana, 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 ça vient du ciel, mais je ne comprends pas, mais ça vient du ciel. Qui est celui-ci qui parle aux démons et les démons l'écoutent? Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? C'est celui qui les a précipités sur la terre et qui les poursuit sur terre. J'aimerais te parler des bosses du diable. La première bosse du diable, lorsqu'il s'est rebellé au ciel, il était précipité sur la terre. La deuxième bosse du diable, à la croix. La troisième bosse, au milieu du millénium. Satan a des bosses et des bosses. Et il ne fera qu'échouer face à Jésus-Christ. Pour eux, ils pensaient que c'était une première rencontre avec Jésus, alors qu'ils s'étaient déjà rencontrés avec les démons lorsqu'ils étaient rebellés. Lorsque tu ne comprends pas, Dieu comprend. Lorsque tu ne maîtrises pas, Dieu maîtrise. C'est pourquoi quand tu ne comprends pas, va auprès de celui qui a engendré la dimension, afin qu'il puisse t'expliquer. Mana, mana, qu'est-ce que c'est? Mana, mana. Dis à ton voisin, voisin, est-ce que tu comprends? Écoutez ce que la Bible dit. Tous furent saisis de stupéfaction. J'aime ce français. Stupéfaction. Stupéfait, abasourdi, époustouflé. Ah, j'annonce l'étonnement. J'annonce l'étonnement. J'annonce l'étonnement. J'annonce l'étonnement. Le monde serait étonné au travers de ce que Dieu fera dans cette église. Le monde serait étonné au travers de ce que Dieu fera dans ta vie. Parce qu'avec toi, tous furent stupéfaits aux esprits impurs. Même aux esprits impurs. Pourquoi les esprits impurs étaient des exceptions pour eux, alors que c'était la généralité pour Jésus? Et ils obéissent, ils commandent et ils obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnant la Galilée. La renommée de Jésus a été répandue par les démons chassés. Bien-aimés, ne néglige jamais chassant, les portes s'ouvrent. Bizarre. Tu les chasses, la renommée monte. C'est bizarre, hein? Mais je te dis, tu chasses les démons, la renommée monte. Pourquoi? Parce que tu vas conquérir leur territoire. Tu vas conquérir leur territoire. Les ténèbres sont appelées à reculer. Ouh! J'aimerais te partager une chose que j'ai reçue dans l'avion, alors que je venais. Ce n'était pas dans mon message, mais Dieu me dit de vous partager ça. Vous allez voir, lorsque vous lisez la Bible dans Genèse, on ne parle pas de la création des ténèbres. On dit que la lumière soit. On n'a jamais dit que les ténèbres soient. Il y avait des astres pour la lumière, il n'y a pas d'astres pour les ténèbres. Les ténèbres ont toujours été là. Pourquoi? Quand le diable a chuté, les ténèbres étaient là. Les ténèbres ne s'invitent pas, les ténèbres sont. Ici, il y a les ténèbres, si vous ne savez pas. Il y a les ténèbres ici. Mais les ténèbres ne se manifestent pas parce qu'il y a la lumière. Les ténèbres sont naturelles. Comme la pelouse sauvage est naturelle. On ne la plante pas, on ne la sème pas, on ne l'arrose pas. Si tu veux les ténèbres, ne fais rien, il y aura les ténèbres. Mais la lumière paraît. La lumière paraît. Mais il y a quelque chose entre les ténèbres et la lumière. Jamais les ténèbres ne chassent la lumière. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Alors que nous sommes ici, les ténèbres sont là, mais ne peuvent se manifester à cause de ces lampes. Éteins seulement, ils vont venir. Pourquoi? Ils veulent toujours agir, mais ne peuvent agir à cause de la lumière.
La lumière peut luire dans les ténèbres ne luisent jamais dans la lumière. Et Jésus est la lumière. Il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Jésus est la lumière qui luit dans les ténèbres. Jésus est la lumière qui luit dans les ténèbres. Même si c'est un quartier de sorciers, entre dans le quartier de sorciers, tu vas briller. Même si c'est un quartier de magiciens, entre dans le quartier de magiciens, tu vas briller. Même si c'est un quartier de démoniaques, entre, tu vas briller. Mais eux ne peuvent pas briller en toi. Quelle est cette doctrine? Qui est celui-ci qui chasse les démons? Qui est celui-ci qui chasse les démons? Vous ne le connaissez pas? C'est la parole faite chair. C'est le périmé. Le diable est périmé. C'est pourquoi lorsque tu bois le diable, ça détruit ta vie, ça anéantit ta vie. C'est un produit périmé. Quiconque sert le diable boit un produit périmé qui finira où? À la poubelle. Et toi, tu finiras à l'hôpital. Qui est celui-ci? Le Fils de Dieu. Qui est celui-ci? La grâce faite chair. Salut. Bénis Dieu pour ton salut. Tu es entré dans la merveilleuse œuvre du voleur qui vient pour voler, dérober, détruire et tuer. Vous savez, souvent, dans ce passage de Jean 10, verset 10, nous prenons la première partie souvent. Le voleur est venu pour voler. Je suis venu. C'est pourquoi un chrétien n'a pas les liens de famille. Tu viens d'une famille de sorciers, tu n'as pas la sorcellerie. Pourquoi? Le bon berger a détruit la semence de la... S'il détruit, lui restaure. S'il tue, lui ressuscite. Qu'est-ce que le diable a tué que Jésus ne peut ressusciter? Qu'est-ce que le diable a détruit que Jésus ne peut réparer? Qu'est-ce que le diable a volé que Jésus ne peut restituer? Tout ce qu'il prend, Jésus te le rend. Et fois sept, afin de punir celui qui a volé. Je prie que dans ta vie, qu'il y ait une rencontre entre les ténèbres et la lumière. Maintenant, je prie qu'il y ait la rencontre entre les ténèbres et la lumière. Paul était dans les ténèbres, dans la haine, dans la décision de tuer, de détruire. Jésus, qui est le bon berger, qui combattait pour l'église, est allé à la rencontre de Paul. Paul qui était le dévoreur, le destructeur, qui est tombé, qui est devenu aveugle, qui a crié Seigneur. Rimayashaya, celui qui te combat, combat ton berger. Car la brebis ne se bat pas. La brebis n'a pas de dents. Mais le berger a la houlette et le bâton. Tes combats ne sont pas tes combats. Tes guerres ne sont pas tes guerres. Tes guerres sont les guerres du berger. Donne-moi la main. Hein? C'est pourquoi moi je ne prie pas avant de dormir, en disant, Seigneur, protège-moi des sorciers. C'est une irresponsabilité divine. S'il ne me protège pas parce que je n'ai pas prié, parce que moi je protège mon bébé des moustiques, même s'il n'a pas demandé, papa chasse les moustiques. Moi je prie la nuit seulement pour rendre grâce à Dieu et me recommander à Dieu pour que j'aie des visions, des révélations. Mais je ne prie pas pour qu'il me protège des sorciers, parce qu'il doit me protéger des sorciers, c'est sa responsabilité. C'est sa responsabilité. Donne-moi un amen. Hey, je n'ai pas reçu la prière comme Seigneur et Sauveur. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur.
Oh, parce qu'il y a des qui se réveillent à 2h du matin. Quoi? J'ai oublié de prier pour que Dieu me protège. Ah! Tu as ce niveau-là? Dès que tu deviens la brebis, lui veille sur toi. Ce n'est pas à toi de veiller sur toi-même. Sinon, tu dois faire des veillées 24 heures sur 24 heures parce que tu dois veiller sur toi. Shagaba yababa, igabegaba, ototoboro, ikidibi. Papa, Mamadou a dit repos. Vis la vie chrétienne dans le repos. Compte sur celui qui vit en toi. Il est supérieur au diable. Il est supérieur aux démons. Il est supérieur aux principautés. Il est supérieur aux puissants des ténèbres. Le voleur vient, mais le bon berger aussi vient. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas cru en un Dieu irresponsable. Nous n'avons pas cru en un Dieu irresponsable. Quand le diable vient te détruire, Jésus vient te bâtir. Quand le diable vient te tuer, Jésus vient te ressusciter. Quand le diable vient te voler, Jésus vient te restituer. Et il ne restitue jamais ce qui est volé. Il ajoute toujours afin de punir celui qui a volé. Pourquoi? Pour le décourager. C'est pourquoi la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même quand le diable te vole, c'est tu vaincras les scorpions, tu vaincras les serpents et tu vaincras les scorpions. C'est pourquoi lorsqu'Israël traversait la mer Rouge, il y avait la colonne de nuée devant et derrière. Devant pour ouvrir, derrière pour veiller à ce que Pharaon ne le tue pas. Dieu te protège du serpent. Celui qui a la force devant, pion, celui qui a la force derrière. Et de toutes sortes d'occultisme. L'occultisme serpent, l'occultisme scorpion, rien n'échappe. Et c'est toi qui écrases. C'est toi. C'est toi. C'est comme si je te tape, mais tu parles trop. Je dis non, je ne me bats plus avec toi. Je prends mon petit bébé de 2 ans. Je dis, Tabiri, tape-les-moi là. Parce qu'il n'est plus de mon niveau. Et il n'a jamais été de mon niveau. Hein. Maintenant, je peux dire, même à Satan lui-même, si Satan m'apparaît maintenant, dire, monsieur Satan, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh, t'as pas peur, Marcelo? Non, toi, t'as pas peur. Oh, comment t'as pas peur? Non, moi, je suis étonné, comment toi, t'as pas peur? Et je ne vais même pas élever la voix. Je vais dire, au nom de Jésus, va-t'en. Et puis, je continue à faire ce que je faisais. Même le diable en personne ne peut rien contre toi. Tu peux le dominer, tu peux l'écraser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis maintenant à ton frère, comment entrer dans cette grâce? Crois seulement. Crois seulement. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu prends ce verset, tu le mets dans son contexte. Tu sais, on parlait de quoi? De la résurrection de Lazare. De la résurrection d'un homme qui a fait 4 ans dans le tombeau qui est pourri. Et Jésus, au lieu de dire, faites faire quoi? Si devant la mort, il faut croire seulement, devant un problème de visée, il faut faire quoi? Devant un problème de santé, il faut faire quoi?
Devant un problème d'étude, il faut faire quoi? Devant un problème de péché, il faut faire quoi? Ton problème, c'est que pour toi, il y a des grands problèmes et des petits problèmes. Alors face à certains problèmes, tu dis, ici la foi ne suffit pas. Je dois aussi, tu dois faire quoi? Croire. Parce que comment tu peux faire devant un homme pourri, pourri? Et lorsque Marie et Marthe ont la foi, Jésus se tient devant le plus grand problème du monde. Il ne s'agenouille même pas. Il n'entre pas en retraite. Il ne fait pas d'éveillé. Il n'entonne pas la louange, mais il rend grâce. Il dit, Père, je te rends grâce. Il dit, ah, Jésus. Non. C'est grave ici, c'est grave. Je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. C'est dire quoi? C'est déjà fait. Mais je ne prie pas pour moi, je prie pour eux, afin qu'ils sachent que tu m'exauces. Et il ne dit pas, Seigneur, je te supplie, ressuscite Lazare. Non, il rend grâce. Devant le plus grand problème du monde, Jésus rend grâce. Devant ton problème, tu dois faire quoi? Rendre grâce. Et il dit, Lazare, sors! La parole entre dans le tombeau. Et trouve le corps de Lazare est là, mais Lazare n'est pas là. Cette parole va le chercher. Sors l'âme de Lazare. Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi qu'on prie, des choses se passent dans le monde spirituel. Voyez la sœur là qui a témoigné, les dents étaient partis, sont revenus. Donc Dieu lui a montré les choses qui se passent en esprit. Il y a des gens qui ont prié, Dieu va prendre dans la forêt ce qui était à lui te rend. Vous savez ça? Il y a des choses qui se passent. L'esprit, l'âme de Lazare rentre. Mais quand ça entre dans le corps est lié. Le corps est bandé. Un autre problème. Comment tu peux te lever avec des liens de la tête aux pieds sans point d'appui? Car pour se lever, il faut s'appuyer. Maintenant, tu es lié. Comment tu vas te lever? La parole elle-même a tout dedans. Les points d'appui sont dans la parole. Lorsque Dieu te donne la parole, il y a tout dans la parole. Quand il dit sort, il y a tout dans sort. Et Lazare se lève comme ça. Et dis la démarche du miracle. Mais il sort comme ça. Comment quelqu'un qui a fait 4 jours sans manger fait le sport? Dieu te rend ta force. Dieu te rend ta vigueur. Dieu te rend ta force. Dieu te rend ta force. Ta vigueur. Ta force. Ta vigueur. Donne-moi un amen. Ya. Hey! Les hommes regardent, ils critiquent. Ça, c'est quel genre de ressuscité? Mais c'est un grand miracle sur le plan sanitaire et biologique et médical. Ressuscité et tu fais du sport. Hey! Et puis il dit, déliez-le. Et vous savez pourquoi délier-le? Parce que Dieu veut que dans ce qu'il fait que tu sois. Je prêche la parole, je délie seulement. Mais c'est lui qui est mort, c'est lui qui est ressuscité. L'onction c'est lui, tout c'est lui. Moi je fais quoi seulement? Je délie, je délie, je délie, je délie, je délie. Est-ce que je peux m'enorgueillir de délier? Comme là le frère tu es cassé et tout. On enlève la bande, moi j'enlève. Je vais me glorifier. Pourquoi tu te glorifies dans l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu te trouves extraordinaire? Dis à ton voisin, t'as fait quoi? T'as fait quoi? Tu n'as rien fait? Tu as seulement délié.
C'est lui qui a ressuscité. C'est lui qui est allé prendre son âme. C'est lui qui a tout fait. Lorsque même par toi, Dieu vaincra les œuvres du diable, sois humble. Sois humble. Sois humble. Sois humble. Ta fidélité est grande. Alléluia. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi. Ô Seigneur, grande, grande ta fidélité. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Maman, qu'est-ce que vous avez? Seigneur Jésus, je te prie de guérir la jambe de ta servante. Je prie que tu répares ligament. Je prie que tu répares son genou. Au nom de Jésus-Christ. Je brise toute oppression des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je marche sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Debout. Père éternel Dieu, je te prie de réparer ta servante. Je brise tout ce qui est du diable. Reçois une nouvelle jambe. Reçois une nouvelle jambe. Reçois une nouvelle jambe. Au nom de Jésus. Marchez, maman. Faites l'effort. Allez-y. Reçois une nouvelle jambe. Reçois une nouvelle jambe. Reçois une nouvelle jambe. Reçois une nouvelle jambe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est incomparable, une nouvelle jambe. Oh Seigneur, grande est ta fidélité. Hier, je te voyais là et Dieu me disait prie pour elle. Je sais pas, j'étais distrait. Et toute la nuit m'avait dérangé pour vous. Et je ne pouvais pas partir sans prier pour vous. Une nouvelle jambe. Rentrez à votre place. Allez-y. Acclamons le Seigneur. Alléluia, on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur. Vraiment bénir le Seigneur. Et pendant que tu acclames, que tu n'as juste tes mains, mais que tu sois en train de donner des paroles de reconnaissance au Seigneur, en train de bénir le Seigneur. Son serviteur est allé dans une dimension prophétique. Vraiment, la parole qu'il a donnée était extraordinaire, extraordinaire. Il veut non seulement que toi-même tu rentres dans la dimension de l'extraordinaire. Hein? Je crois que c'est Marc 1, s'il a comme là, Marc 1, verset 27, la partie où la grâce travaille avec toi, et puis on commence à dire qu'est-ce que c'est ça. On commence à être surpris. Je crois que c'est Marc 1, verset 7, là, comme si vous pouvez l'afficher. C'est vraiment extraordinaire. Et je crois que Dieu va le faire pour toi. Je crois que Dieu va t'utiliser comme ça. Je crois que
Les gens vont regarder puis être voilà, choqués. La Bible dit, tu peux lire avec moi. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? Et à ton voisin, dis voisin, qu'est-ce que ceci? Dis voisine, qu'est-ce que ceci? Dis vraiment, qu'est-ce que ceci? Parce que y a une dimension là où les gens vont être juste choqués par ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu vois, l'onction que Dieu va libérer sur toi, tu vas prier pour les malades, ils seront guéris. Il y aura des délivrances, ça va être extraordinaire. C'est-à-dire, ça commence la semaine qui arrive là. Le qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci? Je ne comprends pas. Waouh, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et Seigneur, cette parole, nous l'avons reçue. Nous l'avons reçue. Et ton serviteur était dans une dimension de déclaration prophétique pour les serviteurs de vase d'honneur, pour les serviteurs des églises, vase d'honneur. Et nous croyons que même s'il est à des milliers de kilomètres, il parlait pour nous aussi. Voilà pourquoi il y a des fils, des filles dans cette maison qui passent dans une autre dimension. Il y a des personnes qui ont entendu ce message ce matin, dont la vie est transformée, dont le ministère est transformé. Ils commencent véritablement à manifester les dons spirituels, manifester la puissance de Dieu, manifester l'autorité de Dieu. Lève la main droite, toi qui veux manifester cette autorité. La grâce de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu descend sur toi. L'Éternel te fait grâce. L'Éternel te fait grâce. Il te remplit en ce moment. Il te remplit en ce moment pour qu'il y ait des surprises. 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 En ce moment, pendant que je suis en train de prier, garde ta main debout. Garde ta main debout. Toi qui veux vivre le qu'est-ce que c'est, garde la main droite debout. La main de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu vient t'accompagner. Elle vient te remplir. Servante de Dieu qui est dans la salle, il y a une onction spéciale qui t'est communiquée. Qui t'est communiquée, qui t'est communiquée. Pendant que l'homme de Dieu parlait, je voyais des miracles, je voyais des guérisons, je voyais des transformations, je voyais la puissance dans la parole. Je voyais un poids et une autorité extraordinaire sortis de ta bouche. Et à l'instant où je suis en train de prier, le Seigneur est en train de te communiquer quelque chose. Il est en train de te communiquer quelque chose. L'Esprit de Dieu est en train de se répandre dans la salle parce que des choses étonnantes doivent sortir de ta vie. Quand on a dit que c'est la Pâque comblée de grâce, c'est l'année de l'étonnement, c'est important que tu saches que ce n'est pas un slogan. Mais c'est ce que Dieu veut faire. 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 Soyez vigilants dans les allées. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut communiquer sa grâce. Il veut communiquer sa puissance. Il veut que tu te mettes à le servir. Il veut que ton feu descende sur lui. Que son feu descende sur toi. Voilà pourquoi là où tu es, soyez vigilants. L'Esprit est en train de remplir. Pour certains, ça ne va pas être avec force. Tu vas sentir juste une force, une onction. Descendre sur toi tranquillement, tranquillement, tranquillement. Parce qu'il veut que on parle d'étonnement te concernant. Il veut que véritablement, quand tu pries pour les gens, quand tu opères, les gens soient étonnés. Soyez vigilants dans les allées. Hein. Soyez vigilants. Qu'est-ce que c'est? 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 Il te remplit. Il te remplit pour le qu'est-ce que c'est. Il te remplit pour le qu'est-ce que c'est. Il te remplit pour le qu'est-ce que c'est. Il te remplit pour la surprise. Il te remplit pour le qu'est-ce que c'est. Il te remplit pour le qu'est-ce que c'est. Il te remplit pour le qu'est-ce que c'est. Il y a une très forte onction sur vous. La puissance de Dieu, soyez vigilants. Elle est en train de... Waouh, waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ce feu qui vous saisit, ce feu qui vous saisit, ce feu qui vous saisit. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer. Ma fille, il y a un autre vêtement maintenant. C'est comme si tu viens de finir une saison de nettoyage, une saison de préparation. Maintenant, c'est la saison d'un équipement extraordinaire qui arrive. Qu'est-ce que c'est? 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 Tu vois, des choses étranges doivent se passer dans ta vie. Des choses étranges.
des choses étranges, des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires doivent se passer dans ta vie. Des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Un feu extraordinaire. Des choses étranges. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Maïdé les bouches. La stupéfaction, stupéfaction, stupéfaction. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ils vont te poser la question. C'est le temps du qu'est-ce que c'est. C'est le temps du qu'est-ce que c'est. Hein? Soyez vigilants dans les allées. L'esprit est en train simplement de remplir, de remplir, de remplir. Une dimension d'étonnement. Une dimension d'étonnement. Une dimension d'étonnement. La puissance de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu. L'étonnement divin. Le Seigneur fait une œuvre très puissante d'abord dans votre propre vie. Il dit que c'est lui qui qualifie. Ce ne sont pas les hommes qui vous qualifient. Ce ne sont pas les hommes qui regardent vos vies, votre vie et puis vous qualifient. C'est lui qui vous qualifie. La grâce descend sur vous. Il vous qualifie. Il vous délivre. Et la puissance de Dieu opère pour que vous passiez à un autre niveau. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Une dimension d'étonnement. Étonne les gens. Étonne les gens. Ne retiens pas l'étonnement. Étonne les gens. Étonne, 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 étonne. Tu vois, pendant que je prie, ne sois pas distrait. Ne sois pas en train de regarder autre chose. Ne sois pas en train de regarder autre chose. Parce que le message qui est venu, c'est juste pour que l'esprit revête et que tu passes à une autre dimension. Étonne, 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 étonne. Sois focalisé sur le Christ et étonne. Sois focalisé sur le Christ et étonne. Barabosh, kemaris, darirosh, kere barabosh, kokarabashike. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. La puissance de Dieu est en train de circuler, d'équiper plusieurs. Mon Dieu, ton onction sur ta servante, il faut l'aider, hein? Il faut l'aider parce que il y a un flux qui est en train de descendre sur elle. Il y a un flux qui est en train de descendre sur elle. Il y a un flux qui est en train de la remplir. Le Seigneur est à l'œuvre. Dans toute cette rangée, ma soeur, la grâce de Dieu vous visite. Dans toute cette rangée-là, il y a un feu extraordinaire. Extraordinaire. Makarabash, l'étonnement, 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 l'étonnement. Le Seigneur va séparer ce qui vous retenait et vous emmener à une autre dimension. Toutes celles qui sont ici-là. C'est des questions, toute cette rangée-là. L'onction est en train de circuler. L'onction est en train de circuler. L'onction est en train de circuler. L'onction sépare ce qui doit être séparé. Équipe et habille. Il a dit que nous sommes rentrés dans une dimension. On ne vient pas pour faire le malin ou pour montrer quoi que ce soit à quelqu'un, mais une dimension de l'étonnement. Ma fille, j'entends la parole disant, je mets les mots de la vie sur ta bouche. Je mets les mots de la vie sur ta bouche. Je mets les mots de ta vie sur ta bouche. Il y a des situations où tu t'assieras, tu parleras et la vie va jaillir. La vie va jaillir. Il y a un équipement spécial. L'onction est en train d'agir avec douceur dans la salle, mais c'est quelque chose de très fort qui descend sur plusieurs. Maintenant, il faut quelqu'un par ici. Il faut être là. Soyez avec elle. Aidez-la. Hein? Aidez-la. 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 Parce qu'il y a des écailles qui touchent ses yeux, qui sortent de ses yeux. Mets la main sur ses yeux. Mets la main sur ses yeux, Satine. Au nom de Jésus, que toute forme d'écailles soit ôtée. Afin que tu rentres pleinement dans ce
que Dieu a appelé pour toi, de ce à quoi Dieu t'a appelé, reçois la grâce, reçois l'onction, reçois le feu, reçois cette onction-là qui opère de la tête aux pieds, 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 et que ta vie soit mise à part maintenant, 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 maintenant. Le feu de Dieu vient séparer. Pour plusieurs personnes, il y a en même temps une séparation qui se fait en esprit. Janice, tu peux juste prier pour la soeur qui est là. Quelqu'un pourrait prendre le bébé avec elle, s'il vous plaît. Prenez le bébé, voilà. Tiens-lui juste la main. Une seule main, une seule main. Tiens-lui une seule main. Merci Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour l'onction. Merci pour le dépôt. En fait, le dépôt était déjà là. La mise à part était déjà présente. Mais merci pour la manifestation maintenant. La manifestation maintenant, 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 maintenant. Oh, Esprit de Dieu, tu es en train d'opérer. 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 Seigneur, je m'appuie sur la parole de ton serviteur. Et je vois des gens en train de faire des choses extraordinaires, des choses puissantes, des choses glorieuses. Alors l'esprit, bon, pour certaines personnes, il y a des délivrances qui sont en train de s'opérer en même temps. On va traiter les délivrances ce vendredi. Mais vous êtes en train aussi de recevoir une onction et une grâce particulière pour opérer dans le ministère. L'esprit va vous parler d'éléments à corriger, de choses à renoncer, auxquelles il faut renoncer dans vos vies. Et c'est un équipement extraordinaire. 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 Cal, touche juste la dame qui est là. Oui. Touche-lui juste la main. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, recevez un flot et un déversement de grâce. Recevez un flot et un déversement de grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Ton esprit qui descend, non seulement il guérit son cœur, mais en même temps il la transforme et il équipe pour les choses extraordinaires. Ora katabare bosh. Maske baba 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 santa katarabadoroshe. Rekatabaraba. Ah, tu mets la main sur son front. Reçois l'onction. Reçois, reçois, reçois. Déborde. Déborde de grâce. 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 Déborde de grâce et de présence. Déborde de grâce et de présence. Karabayomosh. Marabayes. Yerebarabarabosh. Marabarabos. Sakatabaros. Sokorobosh. Je vois beaucoup d'onction, beaucoup de grâce. Ayez beaucoup de douceur. La douceur va faire sortir ce qu'il y a en vous. Ayez beaucoup de douceur pour les gens autour de vous. Il y a une telle force, un tel feu autour de votre vie. Vous n'avez pas idée. Vous allez juste dire bonjour doucement aux gens. Oh mon Dieu, ce qui va se passer. La main de Dieu est sur vous. Est-ce que quelqu'un qui est comblé de grâce peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Quelle grâce, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ton feu. Et dans cette dimension, on va se préparer pour nos offrandes. Vraiment, fais une offrande sacrificielle. Tu sais, pendant le séminaire, le Seigneur me disait, bon, tout ce qu'on fait là, en fait, ce n'est pas ça qui fait bouger Dieu. C'est sa grâce. C'est parce qu'il décide de te faire grâce. Tu vois? Tu peux avoir les meilleures heures de prière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas servir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire ta parole. Mais à un moment donné là, c'est juste la grâce qui fait que tu vas y arriver. Amen. Alors ce que le Seigneur t'a communiqué pendant cette conférence, c'est vraiment extraordinaire. Au deuxième culte, on aura le message de notre père spirituel, le pasteur Mohamed, parce qu'il y a eu plusieurs messages. Mais
Ce que Dieu t'a communiqué est extraordinaire. Alors, vraiment, fais une offrande sacrificielle. Ce que les hommes de Dieu avaient demandé, c'est vraiment qu'on puisse... c'était des offrandes de 5, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, j'ai plus la conversion des montants, là. C'était 1 million et plus, c'est ça. Bon. Donc, ça part de 2, 3 000 et plus, jusqu'à de 0 à 2, 3 000 et plus. Mais en tout cas, fais ce que Dieu te dit de faire. Ok, fais ce que Dieu te met à cœur vraiment de faire. Et vraiment, en faisant ton offrande, ne jette pas quelque chose. C'est comme c'est le temps des offrandes, je mets dans ma main et puis je donne quelque chose. Non, que ce soit quelque chose non seulement de sacrificiel, mais quelque chose aussi que tu donnes en honneur au Seigneur. Amen. Dites-vous que si vous alliez rencontrer le Premier ministre ou le président des États-Unis et vous lui apportiez un cadeau, vous n'allez pas prendre quelque chose de votre poche comme ça et puis dire, tiens, vous allez avoir une attitude d'honneur. C'est pour ça que nous aussi, en apportant, s'il vous plaît, sachez que c'est à Dieu, attention au son, sachez que c'est à Dieu que vous apportez, sachez que c'est vraiment au Seigneur que vous apportez. Amen. Voilà, donc prépare ton offrande, une offrande sacrificielle, une offrande pour dire merci à Dieu, une offrande pour honorer le Seigneur parce qu'il nous a tellement bénis pendant cette conférence. Alléluia. Pour ceux qui sont nouveaux, les enveloppes sont devant vous. Et sinon, vous pouvez le faire par virement Interac. Que Dieu vous bénisse. Tu es toujours là pour moi. Tu m'as gardé dans tes bras. Lorsque je ne comprenais pas, ta main est sur moi. S'ouvre pour moi. Je crains que mes défauts fassent tâche, mais j'ai les yeux fixés sur toi. Ta main est sur moi. Tu entends ma voix. Prophétique quoi, tu vois. Je suis béni. Et il faut que tu le déclares avec joie. Source de bénédiction. Je suis béni, je suis béni, je suis béni. Je suis béni. Ah, il m'a comblé de grâce. Là. Source de bénédiction. Et je deviens moi-même une source de bénédiction pour tous ceux qui sont autour. Je suis béni. La bénédiction n'est pas pour moi seul, je ne suis pas source égoïste. De bénédiction. Mais je suis une source de bénédiction pour mes frères, pour mes soeurs. Je suis béni. Je suis béni, je suis béni. Toi qui le déclare, c'est ton partage, ton statut change. Tu es béni de façon extraordinaire aujourd'hui. La main de Dieu est sur toi. Je suis béni. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, hein, tu vois. Source de bénédiction. Et à voisin, dis voisin, tu es béni. Non, mais ne lui dis pas ça comme une. Ah non, 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 c'est pas ça. Tu as la bouche du prophète pour lui. Tu dis voisin. Je suis béni. Tu es béni. Parce qu'après cette conférence-là, tu as comblé de grâce. Tu ne peux pas imaginer. Non, il faut que tu lui dises, voisin. Le culte-là n'est pas simple. Hein. Le culte-là n'est pas simple. C'est pas simple. Ce qui s'est passé aujourd'hui-là, c'est pas simple. Il y a des portes qui se sont ouvertes. Il y a des grâces qu'on t'a données. Ton statut vient de changer. Toi qui étais celle qui pleurait tout le temps-là, la joie de Dieu est descendue sur toi. Non, il faut que tu dises aux voisins. Vraiment? Non, il y a si Dieu. Ah, si Dieu pouvait ouvrir tes yeux.
pour que tu vois ce qui est en train de se passer. Toi qui n'étais pas qualifié, on vient de te qualifier. Hey! Toi qu'on voulait garder toujours en bas, tu es monté. Oh ma carabacheke. Ta place. Aïe 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 aïe. Source de bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction. Tu deviens une source de bénédiction. Dans ta famille, tu deviens la source de bénédiction. Le Seigneur vient de changer ton statut. Le décret est sorti. Ça vient du ciel. Oh, j'ai devenu une source de bénédiction. Maintenant, on va dire, où elle est celle qui est la source? Où il est celui qui est la source? Avant, on te regardait en bas. Maintenant, on va te regarder. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, saisis ce qui est en train de se passer. Saisis ce qui est en train de se passer. Ton statut a changé. Tu sais, quand ton statut change, tu as une façon de danser. Tu as une façon de parler. Tu as une façon de sortir les pas. Alors je ne sais pas quelles sont les pas que tu as. Mais sors aujourd'hui, sors aujourd'hui. La dimension overflow. Ça veut dire que tu as dépassé. Overflow. Overflow. Dieu merci. L'assemblée des témoignages est bénie. Les cellules sont bénies. Les activités sont bénies. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour. Alors que nous t'apportons nos offrandes, alors que nous t'apportons nos offrandes, nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous t'apportons des offrandes dans la joie. Nous t'apportons nos offrandes dans la joie. Reçois-les, agrée-les. Tu as fait tellement de choses. Tu as changé des décisions au niveau des autorités. Il y a des statuts qui viennent de changer. Il y a des papiers. Il y a trois personnes ici. On t'a envoyé un papier pour te dire non. Dans les deux prochaines semaines, on te renvoie un papier pour dire on a changé. Ça a réussi maintenant. Le Seigneur te l'a. Ah, ton statut a changé. Ils vont arriver dans leur système. Ils vont regarder. Ils vont dire, mais comment on a fait pour dire non à celle-là? On va dire, comment on a fait pour dire non à celle-là? Changer la décision, augmenter-la, amener-la plus haut. C'est ton. Hey, mon ami, ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est le mystère de la grâce. C'est le scandale de la grâce. Quand on va finir de bénir là, il y en a qui vont venir se plaindre. Ils vont dire, c'est pas juste. Ils vont dire, celui-là, il ne méritait pas. Ils vont dire, celle-là, elle ne méritait pas. Mais tu vas dire, c'est la grâce de mon Père. Hey! Seigneur, merci. Reçois ces offrandes. Agrée-les. Je prie pour l'assemblée des témoignages. Je prie pour cette assemblée que toi-même tu as bâtie. Et je sais dans le monde spirituel que tu nous combles de grâce. Je sais dans le monde spirituel que tu nous combles de faveur. Je sais dans le monde spirituel que tu changes le statut de cette assemblée. Je sais dans le monde spirituel que l'impact de cette assemblée change. Je sais que les fils, les filles de cette maison sont comblés de grâce dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit étonné. Amen, amen, amen. Étonné. Alléluia. Hein, il y a le deuxième culte, il y a le deuxième culte, il y a le deuxième culte. Hein? Ah, vous-même, vous êtes là aussi, hein? Étonné. Allez. Étonné. Bon, d'accord. Moi-même, je suis étonné. Allez, quand je vous vois réagir comme ça, je suis étonné. Ce que Dieu va faire, on sera étonné. Ah, regarde ta maison, à partir de demain. Étonné. Toi qui cherchais à rencontrer l'homme de ta vie demain. Étonné. Le Dieu là, il va le faire, il va le faire. Tu seras étonné. Bon. Étonné. C'est vous qui devez arrêter, s'il vous plaît. Étonné. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Hein, acclame, acclame. Voilà que tu acclames. Pousse des clameurs, bénis le Seigneur, élève ta voix, célèbre-le, dis-lui merci. Alléluia. Oh Dieu. Je sais pas, il y a le temps. Hein. Voilà, c'est trop fort, la soeur, elle a dit voilà, il m'a.
Ça va y aller dans. Sinon là, là, on flot comme ça. Gloire à Dieu. Non, faut dire voisine, voisine. Si tu es trop chaud là, tu viens au deuxième culte. Et puis on gère ça en même temps. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, quelques annonces rapides. Voilà, on a eu nos activités d'évangélisation. Donc, on vous invite à participer aux sorties d'évangélisation. À partir du mois d'avril, on aura beaucoup d'activités d'évangélisation. On dit, voisin, on doit aller gagner des âmes. Hein, des hommes de Dieu ont dit que la grâce, c'est pour gagner des âmes. Voilà, vous voyez, ils étaient dans les métros. Voilà, et vraiment, j'ai tellement de joie de voir les équipes sorties comme ça. Tu vois, ils sont tout contents d'aller gagner des âmes. Alléluia! Donc, il faut que tu fasses partie des gens qui sont tout contents. Parce que quand tu vas gagner des âmes, tu vois Satan tomber du ciel. Et ça fortifie ta foi. Nos matinales de prière à 5 heures du lundi au samedi. Vraiment participer pour vous booster. Tu sais, quand tu sais qu'il y a des périodes où ça ne va pas là, où tu commences à être un peu down, ta vie de prière, dans tes trucs, commence, va à la matinale simplement. Parce que la matinale, ça va servir de catalyseur. Tu vois, l'énergie de prière, là, va te relever. Tu vois, il y a des moments où tu es là, puis non, j'ai plus envie, puis tu restes seul. Non, viens au matinal. Les femmes ont Léa en prière le mardi prochain à 20h. Mercredi prochain, on sera à 19h en présentiel, comme à notre habitude. C'est la semaine pascale. Hein? Donc vraiment, je veux te demander de faut dédier cette semaine-là au Seigneur. Okay? Autant que tu peux venir en présentiel, participer au matinal. Le thème qu'on va aborder, c'est les grâces de Pâques. Les grâces de Pâques. En fait, tout part de Pâques. Hein? Si tu manques Pâques, toutes les autres grâces, tu ne peux pas les avoir. La grâce du salut, la grâce de la transformation. Toutes ces grâces-là, on en parlera durant ce week-end pascal. Alors, le week-end qui arrive va être très, très spécial. Très spécial. À partir de vendredi, à 18h45, on aura une session de délivrance. OK? Hein? Faut pas avoir honte ou peur de la session de délivrance. Tout le monde, nous tous, on est passé par là. OK? Il y a des moments où il faut que l'Esprit de Dieu vienne enlever certaines choses. Ça peut être des mauvais esprits, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être des forteresses, ça peut être certains éléments. Donc, la parole vient nettoyer, mais à des moments, il faut mettre un peu de puissance pour faire tomber les œuvres des ténèbres. OK? Voilà. Donc, il ne faut pas... Il y en a qui ont un peu honte. Non, je vais venir. Non, non, non. Laisse ça. Nous tous, on est passés par là. Donc, à la fin, la soeur Ophélia... Demandez la soeur Ophélia. Ah, ben, elle est là. Voilà. Elle est debout à l'arrière. Inscrivez-vous, hein, inscrivez-vous. Parce qu'on doit chasser les derniers démons réfractaires, voilà, de nos vies. Donc, inscrivez-vous à partir de 18h45. Et puis, ne regarde pas ton expérience, tu sais. Un besoin de délivrance, là. On peut prier, et puis là, tu sens que l'esprit te fatigue. Mais tu peux regarder des cycles dans ta vie. Par exemple, quelqu'un qui toujours rencontre des hommes, et puis ça ne marche pas. Il y a un mauvais cycle qu'il faut briser quelque part. Tu vois, mais les hommes s'approchent de toi et c'est comme s'ils veulent juste jouer avec toi. Il y a des filles comme ça, en fait, elles expliquent que, si vous voulez, une forme de plaisir, mais c'est-à-dire quand on te voit là, on a beau dire tu es belle, mais ça ne passe pas dans l'esprit de quelqu'un de t'épouser. Il peut y avoir quelque chose qu'il faut corriger. Il y a des frères ou des soeurs qui ont des situations cycliques. Professionnellement, ça ne marche pas et tout, tu vois. Donc, tu peux sentir. Il ne faut pas penser simplement que... Parce que je sais que cette séance de délivrance, ça va être spéciale. Voilà. Hein? Donc, je veux t'encourager. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas... On ne vient pas, on se moque de personne, mais on vient combattre. Tu vois? Le message qu'on a reçu aujourd'hui, c'est un message pour nous dire que nous avons le pouvoir sur les œuvres des ténèbres. Donc, ne reste pas comme ça. À la fin, demande à sœur Ophélia. Et puis dis, j'ai besoin qu'on prie pour moi. Il y a des gens qui vont venir d'un peu partout. J'ai des gens qui vont venir de Québec, d'un peu partout, pour venir participer à cette séance. Donc ne soyons pas nous-mêmes des enfants à la maison. Et puis à cause d'un faux orgueil, tu vois, on ne va pas participer. Tu sens qu'il y a un problème, contacte la sœur Ophélia. Elle pourra te parler avec toi et puis juste valider que vraiment tu as besoin de venir. Et puis ça va se faire. OK? Voilà. Pour les personnes, voilà, vous pouvez la contacter par WhatsApp ou directement à la fin du culte pour qu'on puisse organiser avec les frères de l'église. Donc, de 18h45 à 20h, séance de délivrance. À partir de 21h, on a une mini veillée de 21h à 23h. On va voir comment le Saint-Esprit va faire. Peut-être on va commencer à 18h45 et puis
On est parti en même temps, mais on a ça. Samedi, on a des baptêmes à 13h30. Gloire à Dieu pour les baptisés. Donc, c'est mandatory, obligatoire pour les baptisés de venir aux rencontres de vendredi et des délivrances et de la veillée. Voilà. Dimanche prochain, on a nos trois cultes, 9h, 11h30, 14h, le culte en anglais. Et donc ça, c'est pour la semaine prochaine qui arrive. En avril, on va visiter, on a des cellules d'honneur, donc à Contrecoeur, le 6 avril à Contrecoeur. Le 6 avril, c'est un samedi à Contrecoeur. Le 14 avril, c'est un dimanche à 17h. Ça, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK? Donc, c'est l'occasion pour toi, si tu connais des gens dans ces zones-là, de les inviter, de leur dire, ah, mais on a vase d'honneur dans l'endroit où vous êtes. Est-ce que vous voulez venir participer? Moi-même, je vais faire la visite. C'est l'occasion pour toi, ce sera moi l'orateur de ces jours-là, ce sera l'occasion pour toi aussi vraiment de venir faire une activité missionnaire. Tu vois? Donc, tu viens, on va prier pour la ville, on va intercéder. Et donc, si vous voulez participer, bon, il y en a qui ont dit si vous voulez. Mais à d'autres, quand vous entendez, si vous voulez là, vous comprenez que je suis en train de vous dire, vous devez. Ceux qui doivent comprendre ont compris. Voilà. Vous pouvez voir le frère Camille, voilà, qui se lève. Donc, vraiment, lui dit, ah, je veux aller à Contrecoeur ou je veux aller à... C'est où l'autre, là? Saint-Jean, voilà. Donc, on a aussi des cellules à Joliette, à Candiac, dans d'autres endroits. Mais pour l'instant, c'est ces deux cellules-là qu'on va visiter. Et on croit que Dieu va se glorifier. Amen. L'occasion de rappeler face à face, 28 juin au 1er juillet, je ne sais pas si on a une affiche avec notre pasteur principal. Il faut vous inscrire, les places sur le site principal sont en train de terminer et c'est un événement en deux volets, une retraite de vendredi à dimanche et le lundi un brunch lié surtout à tous les aspects de couple, un brunch spécial avec le pasteur Mohamed. Pour le lundi, c'est environ une centaine de personnes, voilà, donc c'est assez restreint. Alléluia. Et il y aura les 25 ans de message de vie. Est-ce qu'on a la vidéo teaser 25 ans de message de vie? Laisse l'alcool. Arrête de tricher. Arrête de te cacher pour fumer la drogue. Sortis avec les professeurs pour mettre des bonnes notes. Te verras en enfer. Tu vas perdre ta vigueur. Tu vas perdre ton intelligence. Tu vas perdre tout ton temps. Cadeau. Viens Jésus. Il t'aime. Il veut te sauver. Papa, maman, mon frère, ma soeur, arrêtez de suivre vos fétiches, vos masques. Arrêtez de faire les sacrifices. Ton fétiche ne peut pas te sauver. Jésus, lui, a déjà payé le prix pour que tu sois sauvé. Donne-lui ta vie afin que tu aies la vie éternelle. Il y a 25 ans, nous avons commencé à semer les graines de l'amour de Jésus autour de nous. Aujourd'hui, je vois la gloire de Dieu se lever dans cette ville. Je prophétise une guérison de cette ville. Une ville qui prie de la gloire de Dieu. Pendant longtemps, tu as été mis derrière. Dieu t'élève, la faveur de Dieu est sur toi. Ces graines ont fleuri en un jardin d'espoir et de foi. Rejoignez-nous dans notre mission pour apporter la lumière là où règne l'obscurité. Ensemble, nous pouvons changer des vies. Ensemble, nous sommes le ministère Message de vie. Alléluia. Voilà, le ministère Message de vie a 25 ans cette année.
Et par la grâce de Dieu, à la fête de Pentecôte, à la conférence Pentecôte, ce sera la célébration des 25 ans de message de vie. Et il y a une activité, il y a un tour 931 bientôt. Donc on se prépare et puis vraiment, je vous encourage à soutenir ces activités-là. Alléluia. En termes de bonnes nouvelles aussi, avant qu'on reçoive nos nouveaux, notre pasteur principal aura 50 ans cette année, le 30 avril. Et c'est un jubilé, c'est une joie, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, au niveau d'Abidjan, il y aura un concert, une activité avec près de 8000 personnes. Et ils vont soutenir 50 ONG qui travaillent dans le social. Alors, je vais vous donner les bonnes informations. Juste pour vraiment vous dire ce qui est prévu, voilà. Des actions sociales dans 50 ONG, 50 évangélisations dans différentes villes de pays. Ce sera l'occasion pour nous vraiment de le célébrer parce que c'est notre Père, c'est un bon Père. Mais en même temps qu'on le célèbre, d'être en train de faire l'œuvre de Dieu, ce qui lui tient le plus à cœur. Voilà. Donc vraiment, gardez ça en tête, priez pour cet événement-là. Et il y a des formules de contribution. Bon, il y aura des tickets. En fait, les tickets, c'est pour financer toutes les activités qui vont être faites. Et si vous avez dans le cœur vraiment de bénir notre Père spirituel, et surtout que c'est 50 ans. 50 ans, là, c'est un chiffre spécial. C'est le jubilé. Amen. Donc, on vous donnera plus de détails. Voilà, le culte tire à sa fin. Juste demander aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Est-ce qu'on a des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? Font le culte pour la toute première fois avec nous. Hein, ne soyez pas timide, on veut vous saluer. On veut vous saluer. Hein, tenez-vous debout. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voisin, est-ce que tu peux leur dire derrière qu'ils sont, qu'elles sont bénis? Toi qui es juste à côté. Viens au niveau à la nouvelle. Tu es béni. Tu es une source de bénédiction. Et voilà, c'est le chant avec lequel on vous accueille. Hein. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'autre chant d'accueil parce que ça dit tout. Hein. Ça dit que vous êtes bénis. Ça dit que vous êtes des sources de bénédiction. Ça dit que la grâce de Dieu est sur vous de façon extraordinaire. Alors, je suis le pasteur Désiré Oulahi avec mon épouse, pasteur Laurette. Donc, pasteur résident de l'Assemblée des témoignages. Voilà, parce que pasteur Mohamed lui-même ne peut pas être partout. Vous ne pouvez pas savoir comment on vous aime. Donc, voisin, tu peux lui dire qu'on l'aime. Donc, dis-lui bien. Est-ce que tu peux lui dire qu'on vraiment on a aimé faire le culte avec elle ou avec lui? Hein? Donc, la prochaine étape, il faut lui dire, voisin, dimanche prochain, tu fais quoi? Hein? Pose-lui la question. Hey, voilà. Voilà, ici, là. Elle a dit, elle, depuis que je la regarde, je sais qu'on a géré quelque chose depuis longtemps dans le ciel. Voilà, elle a donné une réponse. Elle a fait comme ça, là. Ça veut dire que nous, on t'aime comme ça. On veut gagner des âmes avec toi. On veut faire des choses extraordinaires. Ainsi, ils cherchent une place où grandir dans la foi. Qu'est-ce qu'on leur dit? Voilà, restez avec nous. On a trop aimé faire le culte avec vous. Et donc, on vous a donné une nourriture spirituelle. On voudrait vous donner une nourriture aussi, une petite collation. Voilà pourquoi il y a le frère Camille qui est là, qui lève la main, qui est de l'équipe d'accueil. Je vais vous demander de prendre vos affaires, de le suivre. On a une petite salle spécialement pour vous de l'autre côté. Et là-bas, vous pourrez vous entretenir avec lui, lui vous restaurer et aussi prendre votre sainte cène. Voilà, pasteur Laurette aussi ira même vous saluer spécifiquement là-bas. Alors, on peut acclamer le Seigneur pendant que les nouveaux sont en train de suivre le frère Camille. Voilà, on va acclamer le Seigneur pour eux jusqu'à ce qu'ils arrivent là-bas. Tu les acclames, tu acclames le Seigneur pour eux. Et toi qui dois prendre la sainte scène, tu te tiens debout. Et on va faire cette sainte scène ensemble que je vais conduire moi-même. Alors la sainte scène, c'est pour des personnes qui sont passées, qui ont été plongées, immergées dans les eaux du baptême. On a baptême samedi prochain. Après Samuel, c'est pas trop tard, non? S'il y a quelqu'un qui... Voilà, donc c'est lui qui me donne l'autorisation, lui qui gère les cours. Il dit que c'est pas trop tard. Donc si depuis tu luttes, et puis tu te disais je me baptise pas, laisse la faire de la lutte, je t'annonce que ta lutte est terminée. Je t'annonce moi-même que tu te baptises ce dimanche. Je serai celui qui va te baptiser. Voilà, donc c'est encore possible s'il vous plaît. Voyez AP Samuel à l'arrière
Ils vont trouver comment vous entretenir et qu'on puisse faire les baptêmes ce dimanche même. Amen. Voilà, lui, il est prêt pour vous. Hein. Il est prêt à baptiser. S'il faut baptiser toute l'église même, il peut. Voilà, il est prêt pour baptiser. Donc, vraiment, je vous en conjure, ne laissez pas le diable vous faire croire que vous n'êtes pas prêt. Vous êtes ceci, cela, c'est un mensonge. On ne sera jamais prêt de nous-mêmes. C'est Jésus qui nous rend prêt. Le jour où tu décides, tu demandes la grâce de Dieu et tu vas au baptême. Alors, pour prendre cette sainte scène-là, s'il te plaît, c'est vraiment une sainte scène très spéciale. Hein? Très, très spéciale. Alors, je vais te demander vraiment, à l'intérieur de toi, fais une prière. Si tu sais qu'il y a des petits éléments un peu particuliers, fais une prière de repentance. Présente-toi devant le Seigneur. Si tu dois pardonner à quelqu'un, pardonne à la personne. Parce que c'est une sainte scène assez spéciale que nous allons conduire maintenant. Alors, on va me faire signe. Voilà, je vais conduire cette scène avec Pasteur Laurette. Est-ce que tout le monde est servi? Non, pas encore. Alors, ne sois pas distrait. Hein? Pendant que tu as le pain et le vin, pense à la grâce qui est venue avec Jésus. Cette conférence-là était très spéciale. Elle était très spéciale. Il y a eu un fort mouvement spirituel. Tiens ce pain-là, tiens ce vin. C'est l'opportunité pour toi de t'identifier à lui et de demander la grâce. Je ne sais pas ce que tu vis. Il y a des gens où vous êtes beaucoup battus. Vous êtes en mode combat dans beaucoup de choses. Dans le mode aller arracher, aller vous battre, aller combattre, aller vous justifier. Dieu me dit de te dire que sa grâce doit te donner le repos. Le repos. Sors des faux combats. Au travail, c'est comme si tu combats pour avoir un poste. Pour te marier, tu combats pour avoir un homme, tu combats pour avoir une femme, tu combats. C'est comme si tu combats pour avoir tout. Même, non, en fait, la grâce là, elle veut t'emmener dans une dimension où tu es au repos à l'intérieur de toi, dans tout ce que tu fais. Alors la Bible dit que la veille du jour où il fut livré, il prit le pain et il rendit grâce. Seigneur, voici, ceci est ton corps, livré pour nous. Et c'est le corps qui vient prendre nos péchés, nos iniquités et nous faire rentrer dans la grâce. La Bible dit que tu es venu avec la grâce, mais il fallait le sacrifice de la croix pour que nous devenions nous aussi éligibles à cette grâce. En prenant ton corps, que toutes les grâces qui ont marché avec toi nous soient communiquées. Parce que la Bible dit que tu grandissais en sagesse, en stature et en grâce. Merci Seigneur. Il le rompit et le distribua. Prenons ensemble le corps du Seigneur. Il prit ensuite la coupe et il rendit grâce. C'est la coupe qui nous lave, qui nous purifie. C'est la coupe qui permet que les accusations de Satan ne nous abaissent pas. C'est le sang de l'agneau. Seigneur, pendant qu'on va prendre ce sang, purifie-nous, lave-nous, change notre entendement, repositionne-nous, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. C'est le sang de la grâce. Tous nos péchés ont été pardonnés, lavés. Et Seigneur, en prenant cette coupe, emmène-nous dans une autre dimension. Au nom de Jésus. Prenons ensemble la coupe. Voilà, que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à tous et à toutes. Et le deuxième culte commence dans quelques minutes pour ceux qui veulent rester.
Alors, ceux qui sont là pour l'académie, on se retrouve en bas. Pour l'académie, les cours pour l'académie, on se retrouve en bas dans 2 minutes. Thank you.